Le prix David Janssen est une initiative du ministre-président de la région Bruxelles Capitale qui a pour objectif de favoriser les collaborations entre différents acteurs de la chaîne de prévention et de sécurité. Wij vanuit BPS, wij coördineren en faciliteren deze actie in de veiligheidsketen. En het is ook zo dat wij deze oproep volledig verzocht hebben, volledig uitgewerkt hebben en ervoor zorgen dat dit project samen met de collega's tot een goed einde zal gebracht worden, tot een gericht succes. Cette année-ci, le projet qui a été récompensé est le point de contact école, mis en place par la zone de police Montgomery, en collaboration et en partenariat avec les différentes écoles présentes sur le territoire, ainsi que les trois services de prévention des communes du territoire. Pour notre zone de police, le fait de recevoir ce prix David Janssen, c'est une réelle reconnaissance du travail accompli. Le projet a grandi au départ sur deux voies parallèles qui ne se sont pas rencontrées immédiatement. Nous, au niveau communal, on s'est rendu compte, après les attentats, qu'il y avait vraiment un besoin important de formation auprès des écoles, formation et information. Je pense que c'est une réalité qui a vu le jour dans pratiquement toutes les communes en même temps. Et d'autre part, au sein de la zone de police, ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin de cohésion également. J'ai commencé à réfléchir avec mes équipes à la création, au lancement d'un projet que je souhaite appeler Point de Contact École. Le projet a été structuré directement sur trois axes que nous avons déterminés. Donc, le premier axe a été établir une fiche école, une fiche d'identité pour tous les établissements de la zone de police. On en compte 130 actuellement. On a travaillé ensuite sur une offre pédagogique avec les trois services prévention de notre zone. Et troisièmement, et c'est le plus important, c'était vraiment développer un réseau entre la zone de police et les écoles de notre territoire. La plupart des problématiques que nous rencontrons parfois avec nos élèves, c'est qu'ils ne comprennent plus exactement où se trouvent les limites dans les règles. Ce projet avait le mérite de pouvoir faire un lien entre ce que l'école représente en tant que micro-société, j'ai envie de dire, et ce qu'est la société réelle, puisque les enseignants symbolisent un peu l'autorité et que la police à l'extérieur symbolise aussi cette autorité. On répond à vraiment de nombreuses questions des élèves sur plusieurs matières, ça peut aller de la consommation de stup à la sécurité routière, mais on constate qu'énormément d'élèves n'ont pas de réponse aux questions concernant les dispositifs légaux au sein du pays. On a eu la police qui est venue pour nous expliquer en quoi consistait le harcèlement et le cyberharcèlement. Ça m'a surpris, je ne m'attendais pas à un policier, je me disais peut-être un éducateur ou un autre professeur d'une autre école, mais c'est un policier qui est venu parce qu'il est plus expérimenté. Je trouve que c'est bien parce que c'est une personne qui gère des fois ces cas-là. Et du coup, que c'est assez chouette parce que c'est la meilleure personne qui puisse nous expliquer c'est quoi le harcèlement, enfin pour moi. L'avantage, c'est qu'effectivement, ils voient le côté policing, comme on dit chez nous, community policing, qui est donc la possibilité d'avoir un échange avec les policiers différents de ce qu'ils ont quand ils sont amenés à venir dans un commissariat de police. Ici, on est vraiment d'être humain à être humain, on est d'homme à homme. Le fait de savoir qu'un policier ne se soucie pas simplement des voleurs, etc., et qu'il se soucie quand même des adolescents, c'est important aussi. Dans l'établissement scolaire, on a plusieurs classes d'élèves qui ont redemandé notre présence. On analyse ça au fur et à mesure avec la zone de police, voir un petit peu quelles sont les thématiques qui sont les plus demandées, quelles sont les thématiques qu'on pourrait effectivement travailler à l'avenir et pour lesquelles on va essayer de concentrer nos efforts. L'objectif principal, c'est vraiment créer ce réseau avec les écoles. C'est mettre un pied dans les écoles pour pouvoir travailler avec les jeunes de manière structurée. On organise annuellement une présentation dans chaque commune où on invite les différents établissements scolaires pour leur présenter notre offre pédagogique. Le nombre de demandes ne cesse d'augmenter, non seulement au niveau des écoles, donc une école qui travaillait déjà avec nous demande de plus en plus de sujets différents, mais on a aussi de nouvelles écoles qui demandent maintenant à ce que nous passions. Et donc ici, on va présenter pour la deuxième fois l'offre à l'ensemble des écoles des trois communes, et je suis certain que ce sera à nouveau un beau succès.